Essayez, même si vous avez beaucoup d'expérience en méditation, d'envisager toujours la méditation comme un enfant ou comme un débutant, comme si vous découvriez pour la première fois votre intériorité. Oubliez toute votre expérience, tout ce que vous avez pu vivre en méditation. Et puis, vous pourrez fermer les yeux et commencer par prendre conscience de la respiration. De son flot naturel, laissez votre souffle s'apaiser et devenir de plus en plus fluide. Savourez pleinement chaque inspire et chaque expire. Sentez l'air frotter à l'intérieur des narines. Il y a la respiration de l'air et la respiration du prana, l'énergie vitale qui parcourt le corps. À chaque inspiration, laissez cette énergie vitale descendre jusque dans le ventre. Ressentez les mouvements du ventre qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Laissez toute la zone du ventre se relâcher complètement, se dénouer complètement. Toutes les tensions physiques, mais aussi émotionnelles, se relâchent dans le ventre. Laissez le souffle être comme un baume guérisseur partout où il passe. Accompagnez maintenant votre souffle jusque dans le bassin, comme si le bassin aussi se gonflait à chaque passage du souffle. Soyez totalement à l'écoute des sensations dans votre ventre, dans votre bassin, totalement ouvert sur les perceptions subtiles, la chaleur, les picotements, les fourmillements. À l'écoute avec douceur et bienveillance. Puis ressentez votre corps dans son ensemble et laissez votre corps entier respirer en grand. Tout votre corps se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. Tout votre corps respire. Et prolongez un petit peu l'expire pour vous laisser tomber dans la détente, le bien-être. À chaque expiration, votre corps se relâche davantage. Et chaque inspire vient nourrir chaque cellule du corps. Chaque cellule du corps est de plus en plus nourrie de tranquillité, de joie, de plénitude. Et peu à peu, vous sentez ce calme profond remplir l'espace.
Vous pouvez sentir dans ce calme simple qu'il y a une quiétude joyeuse dans le simple fait d'être. Et vous pouvez goûter, savourer pleinement cette vitalité, ce calme, c'est le plus intime de vous-même. Laissez-vous aller au plus intime du plus intime de vous-même. Et ici, il y a simplement une présence. Une pure présence, et vous pouvez observer comme c'est facile d'être simplement présent, comme c'est simple d'être. Il n'y a pas d'effort à faire pour être. Vous êtes spontanément. Et maintenant, comme un enfant qui joue, essayez de ressentir l'espace. Pas seulement l'espace du corps, mais tout l'espace. Sans imaginer quoi que ce soit, simplement ressentez. Sans visualiser quoi que ce soit, goûtez au ressenti de l'espace. L'espace est vécu lui aussi comme un grand calme. Dans cet espace calme, on peut s'amuser à s'abandonner, à devenir transparent. S'il y a encore des pensées, les pensées ne font que traverser la transparence que vous êtes. Les sensations ne font que traverser l'espace que vous êtes. Jouez à vous laisser traverser, à devenir perméable. Tout vous traverse sans modifier la paix. Aucune pensée, aucune sensation n'a le pouvoir de modifier le calme que vous êtes.
joie à plonger dans ce calme, à s'abandonner à ce calme, jusqu'à devenir le calme lui-même. Ce calme qui n'a pas de fin dans sa profondeur. S'il y a des pensées, je leur permets d'être là. S'il y a des pensées, je leur permets de traverser le calme. S'il y a une tension dans le corps, je peux aller à la rencontre de cette tension et juste pour jouer, m'amuser à l'accueillir totalement, à lui laisser toute la place, juste pour voir ce que ça change. Qu'est-ce que cela fait de permettre totalement à ce qui est d'être comme c'est. Qu'est-ce que cela fait d'être totalement dans l'accueil et la bienveillance vis-à-vis de tout ce qui est. Peut-être qu'il y a de l'ennui, de la fatigue ou du rejet, comme ne plus avoir envie de méditer par exemple, mais même ça, ça peut être accueilli tel que c'est.